Bonjour, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit challenge spécial ventre plat avec le gainage. Je vous propose de faire des mini-circuits. Je vais vous montrer quelques exercices. On va essayer de rester 30 secondes à peut-être une minute pour ceux qui ont l'habitude par exercice. Et puis, vous allez laisser un petit temps de récupération, par exemple 30 secondes, avant de tout recommencer. Vous répétez les tours jusqu'à ce que ce soit suffisant. Ce qu'il faut, c'est que vous sentiez que ça avait bien travaillé de manière à fatiguer vos muscles pour qu'il y ait une transformation une fois la récupération opérée. Donc, je vous propose de commencer. Donc, on va commencer par un gainage très simple, les coudes sous les épaules. Alors, regardez, déjà, première option, on peut rester à genoux. Petite bascule du bassin, je serre le ventre, je regarde loin, devant vers le sol. Ou alors, si tout va bien, n'hésitez pas à passer ici sur demi-pointe, on serre le ventre. Et on reste. Allez, aspirez bien le nombril à la colonne. La suite, gainage latéral. Donc ici, surtout, restez bien en ouverture. Hein. Laissez pas votre corps partir comme ça ou les fesses partir vers l'arrière. Si jamais c'est trop difficile, regardez, je pose un genou au sol. Et si au contraire, c'est trop facile pour vous, rien ne vous empêche de lever une jambe ici. Pareil, on reste. Et surtout, ayez bien donc le coude sous l'épaule. Et on revient tranquillement au centre. Allez, même chose, 30 secondes. Alors ensuite, vous pouvez vous retourner, mais moi, comme je ne vais pas vous tourner le dos, juste je change de côté pour faire la planche latérale du côté qui n'a pas travaillé. Pareil, coude sous l'épaule, hop, et on replace ici, on reste. On va faire le gainage sur le dos. Donc l'avantage du gainage sur le dos, c'est que ça travaille vraiment le centre du corps sans qu'on soit peut-être arrêté par les épaules qui travaillent comme c'est le cas lorsqu'on est face au sol. Donc vous allez tout simplement vous allonger et puis je vais décoller les épaules, tendre les jambes. Attention ici, pas de dos qui creuse, sinon je remonte un peu la hauteur de jambe, d'accord? On serre le ventre, on éloigne le menton de la clavicule. Et si jamais vous avez mal à la nuque, vous pouvez mettre une main en soutien. Si c'est pas assez, je descends un peu plus les jambes, je monte les épaules. Mais surtout, surtout, je ne creuse pas le bas du dos, je serre le ventre. Et voilà, j'espère que ce petit challenge vous a plu. Il est simple, mais si vous le répétez le nombre de tours suffisant, vous verrez que ça travaille très bien. C'est très complet. Donc, je vous rappelle, 30 secondes à 1 minute par pause. Et puis, une fois que vous avez fini les exercices qu'on a vus ensemble, à vous de faire une petite récup pour pouvoir reprendre des tours jusqu'à ce que ce soit suffisant. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas pour vos commentaires, partager, retour. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres vidéos.